Ok, salut tout le monde, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui sur un petit peu de Risk of Rain. Donc on va aller vite fait parce que je suis en retard sur mon upload. Donc on va vite fait faire ça avec mineur, comme ça va être facile. Allez, on avance, on va vite. Il faut qu'on fasse la map vite. Donc oui, je suis en retard dans mon upload. Cette vidéo, vous allez la voir un petit peu plus tard dans la journée du mardi. Voilà, peut-être même dans la soirée. Même peut-être la nuit, je suis désolé, mais vous l'aurez le mardi. Normalement. Le mardi tard, peut-être. Le mardi gras. Ah, non. C'est passé, mardi gras. Donc, on avance, on va voir un peu vers là. Je sais même pas si c'est vers là. Je pense même pas que c'est vers là. Il est là. J'ai eu de la chatte. Je suis que niveau 2, mais on s'en fout. Vous savez que cet homme est OP. L'homme que je suis actuellement. Ah, oh, même un magma worm. Fait mal, hein. Allez, ressort. 116. Attention, un coup de pioche. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Arms race. Bon, je vais aller vite. Donc les drones, c'est pas vraiment ma priorité actuellement. Ok, ça c'est un très mauvais saut, j'ai pas compris. Oups. Mais bon, ça me donne une raison du coup d'acheter un drone. Du coup. Ok, je one shot. Ma pioche one shot, déjà. Oh bien, Guardian's Heart. Si j'arrive à aller le choper, putain. On a trouvé le téléporteur très vite, en 50 secondes. Ce qui est bien. Voilà, c'est tout. Comboed. Olé. Ça servait à rien. Est-ce que vous pensez que j'y arrive? Fuck! Vous avez vu la longueur où c'était? Putain, c'était tellement proche. Qu'est-ce qu'on prend? Taser, knife ou gasoline? Ils sont tous les trois bons. Je vais prendre le knife. The rusty blade. Toxic centipede. Infected. Indeed, I'm infected. Bon bah on va prendre le drone vu qu'il nous reste 40 heures. 42 petites pièces. Du coup ça nous fait un petit drone avec Arms Race. Donc ça nous fait des dégâts augmentés de malade. Vu que Arms Race c'est juste super. C'est un item surpuissant, il faut le dire. Il faut dire ce qu'il y a. C'est un item surpuissant. Quand on joue au drone en fait. Si on joue pas les drones, ben voilà. Après, j'ai une énorme vidéo sur LoL qui se prépare. Je veux dire, c'est Apprendre le League épisode 3. Voilà. Pour vous donner le nom. Et celle-là aura 4 games minimum. Si j'arrive à faire la cinquième, je vous le dirai. Sur mon Twitter. Voilà, venez sur mon Twitter, LoL. Vendu. Comme un mec qui fait de la ASMR. Vend toutes les vidéos sur putain d'Instagram. C'est bon, on a compris. Jojo pour ne pas le dire. Qui est bon. C'est un bon gars.
Un deuxième magma worm. Yeah, il n'y en a plus. Lolé. Plus de magma worm. Je suis un bâtard. J'ai juste attendu que le mec fasse tout. Et moi je mets le dernier coup. Je suis un gros connard. Incroyable. Sprouting Egg, on en a déjà un, donc on va prendre ça. Qui sont les Lensmaker Glasses. J'ai bien fait. Lensmaker Glasses, très bon item. Qui te permet de faire une double chance, une chance de critique. Donc de double dégâts. Pas vraiment crit. Je sais pas s'ils appellent ça crit. Ils devraient. Donc j'ai un peu d'énergie hein, aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dit, bah il faut vite que je la refasse. Parce que hier soir, je me suis dit, ça va être impossible de faire ma vidéo. Et maintenant, je me dis, c'est faisable. Je suis en retard, mais je peux la faire. Allez, venez. Ah, ce jeu. Je sais pas si j'arrêterai de jouer un jour à ce jeu. Je m'en lasse pas. Ouais, reprenez-moi quand je m'en lasserai. Alors, Poufada, parfait. C'est que dans le jeu, tu peux avoir tellement de combinaisons différentes à faire avec les items que tu te chopes que c'est parfait. Voilà, y a rien à dire. En vrai, je me suis dit, le Red Whip, c'est pas un si mauvais item. Même si tu perds ta vitesse, tu perds un petit peu ton momentum, c'est pas un mauvais item. En vrai. Oh, un petit Hagrid. Bon, on va lui faire coucou à Hagrid. Bonjour Hagrid. Ta mère. Comboed. Comboed. Droned. Titre de l'épisode. Droned. Je pense que je vais le faire maintenant. Vu que je l'ai dit, je pense que je vais le faire si j'oublie pas. S'il te plaît, pour moi, regarde la vidéo et mets le nom. Ne l'oublie pas. Donc, comme je dis, là, on est en 7 minutes au troisième niveau, ce qui est très, très, très court. Avance, petit mineur. Oh, une Warbanner. Tu, petit mineur. Voilà, parfait. Il a tout compris, ce mineur. Ouais, je suis un peu con quand j'ai de l'énergie. Ça a touché. Je me demande comment ça a touché. Ah, si tu me dis qu'il est au côté opposé. Ok, il est là. Un petit Colossus. Facile à battre. Avec un Wandering Vagrant. Facile à battre. Mais quand même, double boss au bout de 8 minutes et demie. Pas mal. Avec un Tough Times. Difficulté baissée. Faut dire ce qui est. Warbanner niveau 2. Zone augmentée de la Warbanner. Je leur ai fait un tunnel, je ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Total, hein. C'était totalement ça. Boom. Critted. Prenons le drone en bas. Il y a un petit drone d'attaque qui est très bon. Plus on refait un coup là, mais voilà, ça c'est en plus.
Regarde-moi les dégâts de malade que je me tape avec les Arms Race. Avec Arms Race. Enfin, même les drones de base, hein, ils font extrêmement mal. Mais donc oui, voilà. Voilà, ça c'était un niveau très rapide et encore une fois, nous sommes à peine 11 minutes et nous sommes au quatrième niveau. Ce qui est extrêmement rapide, encore une fois, je tiens à le souligner. Ah, la musique de ce jeu, par contre, tu te laisses emporter, hein, c'est un truc de ouf. Je me concentre absolument pas sur le commentaire, c'est dommage. Ok, donc je sais que j'ai un coffre là en bas, on aura l'or rapidement pour pouvoir aller le prendre. Ça va. Ah bah putain, j'ai de la chance aussi dans les spawns, hein. Imp Overlord, facile à battre. Ah, j'ai perdu mon drone. Reprenons-le, hein. C'est pas comme s'il pouvait se faire one shot par tous les boss. Non. J'aime bien. Oh, ben voilà. J'allais dire j'aime bien Will o' the Wisp, mais bon. Peut-être qu'on peut avoir quelque chose de mieux. Eh ben voilà le truc de mieux. Attends, il y en a deux. Ah, il y en avait qu'un. Est-ce que vous aimez les ptérodactyles? Frost Relic? En fait, je laisse mes drones faire le boulot, hein, parce que tout le monde se fait drone. Très rapidement. En plus, seul, il lance des coups de mortier, quoi. Regardez-moi ça. C'est ridicule. Vous savez quoi? Je vais aller un peu explorer la map, par contre, parce que on n'a pas vu du tout ce qu'il y avait. Au niveau des items, voilà comme ça. J'ai quand même pas beaucoup d'or, hein. Je m'attendais à avoir plus d'or. Wicked Ring. Intéressant. Tu m'intéresses. Rien ici. Rien ici. Allez, en bas, on peut y aller. Ah oui, j'ai même pas attaqué, hein. Je savais qu'il était mort, hein. En 14 minutes et 25 secondes, nous voilà déjà au Temple of the Elders. C'est un véritable speedrun.
Ok, ici on va un peu prendre notre temps parce qu'il y a beaucoup d'or à récolter. Et vu que l'or dans ce niveau, c'est pas la ressource qu'on gagne le plus vite. Hein. L'XP, allez. Mais. Ça, c'est dans n'importe quel niveau. Mais voilà. Pièce de 100, s'il te plaît. Merci. Droned to death. Dio's friend, ok. Laissez les drones faire, ça marche bien. La 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 la, attendre des ennemis spawnés. Sérieux, j'ai deux rouges, c'est Wicked Ring et Dio's Friend. The fuck? Concussion Grenade. Nouvel item donc. Parce que oui, j'avais fait une game très courte où je suis mort. Comme une merde. En fait, comme un record de l'épisode d'aujourd'hui, mais je me suis dit non, quand même pas. Oui, parce que je record là le jour le au jour le jour, hein, sérieusement. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Je me suis inversé les commandes. Donc une Concussion Grenade, ça donne une chance de stun les ennemis. Voilà, tout simplement. C'est un très bon item. Pas le super item non plus, mais un très bon item. Boom. Bundle of fireworks. Je l'attendais cet item, tu vois. Ah, il fallait bien qu'il vienne au bout d'un moment. What the fuck? Trois coffres l'un après l'autre. Ok. Encore un autre bundle of fireworks. Suivi d'une Hermit's Scarf. Ok, par contre, j'ai un blind. Un blight, pardon. Est-ce que je pourrais avoir un autre drone, s'il vous plaît? Merci, il suffisait de demander. Voilà, il suffisait de demander. Fireworked. Pardon. Droned and fireworked. Voilà, il suffit de demander, on a des drones. Voilà, c'est beau. Mais il est d'honneur ce jeu, il est d'honneur. Il y en a encore un, mais il est d'honneur ce jeu, il est d'honneur. C'est ridicule, mais il est d'honneur. Infusion. Nous voilà avec la barre noire. Ah oui, parce que j'ai pas d'HP en fait. Hein. Genre 0 presque. 140, c'est pas vraiment un beau nombre. Hein. Je me fais one shot par à peu près tout. Ouais. À peu près. Oh bah tiens. 56. Bon, c'est pas le meilleur item pour une game aussi courte, mais. Pas grave. J'adore cet item. Ah bah voilà. Pff. Votre vœu est à présent exaucé. Et voilà, merci. Ça marche ça contre les ennemis volants? Non, je le sais déjà. Nous voilà avec une armée maintenant. Le titre de l'épisode va vraiment être Droned. Parce que bon, quand même, hein. On va pas abuser, mais. Il y en a beaucoup. Nous sommes. Ok, c'est historique, mesdames et messieurs. Nous sommes actuellement dans le Risk of Rain en moins de 20 minutes. Attention, musique. Ah ouais. Da-dum, da-dum.
Tadam, tadam. Tadam, Oh bah voilà un autre. Ah oui, quatre. Un peu d'argent, s'il vous plaît. Non, un peu plus. Merci. Allez, argent. Oh, les Smart Shoppers, parce que j'en ai pas. Et que ça donne pas mal d'argent. Genre vraiment pas mal. Regardez-moi ça, je suis déjà à 830. La meilleure partie de cette musique, c'est quand elle s'arrête. Ah bah tiens, petit Billing Embryo qui fait zézer. Une troisième Apu Fada. Donc je vais être encore plus potent contre le boss, potent, potent. Le knockback des drones. Ridicule. Ah bonjour. Que je pourrais avoir un Rusty Jetpack, s'il vous plaît. Non, un Rusty. Ok, ça marche aussi. Parce que je pense pas pouvoir sauter en haut, en fait. Trois sauts. Ça va être short. Ah, c'est short. Il manque un Rusty Jetpack. Avec le Rusty Jetpack, j'y arrive. Facile. Mais sans, je pense pas y arriver. Allez, à spawner! Ennemi! Ennemi de la nation, pardon. C'est mon côté patriote qui vient de ressortir. Patriote. Patriotique, patriote. Un barbed wire, évidemment, le seul item que tu me lances avec le putain de fichier Clicktober, c'est un barbed wire. C'est pas mauvais. Mais je voulais pas ça. J'ai dit ce que je voulais. Bon bah dommage. J'aurais pu avoir une petite tonne d'items, mais bon. En 23 minutes, mesdames et messieurs, nous déclenchons le boss. Le speedrun. Genre littéralement le speedrun. Like what the fuck? En plus j'ai pas mal d'argent pour reprendre mes drones, c'est bien. Allez, la protection qui se met. Ah, plus de protection. Il a plus la capote! Butez-le! Mon barbe arrière fait toujours des dégâts, hein, sachez-le. Oh non, mon drone. Ah, j'ai perdu un autre drone d'ailleurs. Oups. Glided Worms maintenant. Ouais, je lance ça juste pour le fun. Non, je savais que tu étais là. L'invulnérabilité d'un homme. Wow, le troisième saut.
Ah non! Vilain! Mon drone! Ha En 25 putain de minutes! 25 minutes uniquement! Nous avons réussi! Il me reste 1h20 pour pouvoir upload cet épisode. Cet épisode 10, mesdames et messieurs, qui sera basé sur le speedrun. Littéralement, en 25 minutes, nous avons réussi à battre Providence sans qu'il nous donne son putain de Monster Log encore. Ça fait quoi, 12 fois que je le bats? Jamais, pas encore de Monster Log. Ça fait chier. Dommage. Mais donc oui, j'espère que cette game vous aura plu. Elle aura été très rapide, mais très sympathique. Avec des très bons items, un très bon mineur. Qui est l'un de mon deuxième perso préféré, il faut le dire. Mais donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!